Bonsoir à tout le monde. Je remercie la presse d'être aussi nombreuse pour assister à la conférence de presse donnée cet après-midi à la résidence officielle de la primature et pour faire le compte-rendu de ma visite officielle en République dominicaine. Tout d'abord, je tiens à préciser, puisque quelqu'un me l'a demandé tout à l'heure, je ne suis pas un cadre de la primature. Parce qu'il m'a demandé quel poste que j'occupe à la primature. Je n'occupe pas de poste à la primature. Je suis un citoyen haïtien, un patriote haïtien, qui a été approché par le Premier ministre parce qu'il sait que j'entretiens depuis de très nombreuses années des relations avec la République dominicaine. J'ai écrit sur la République dominicaine, j'ai été ambassadeur d'Haïti en République dominicaine. Donc je peux sans prétention dire que j'ai une connaissance de la République dominicaine. Et il a jugé opportun de me demander si j'acceptais de me rendre là-bas et de voir si on pouvait, pour reprendre son expression, calmer le jeu. Et en tant que patriote, qui croit, condamné par la géographie à nous entendre, nous ne devons pas faire de l'histoire un point de non-retour et que nous devons nous arranger de toute façon pour vivre en paix sur cette île que nous partageons. La mission, comme je l'ai dit, je suis l'émissaire envoyé spécial du Premier ministre. J'ai été accompagné de Mme Joseph, qui est un cadre de la primature. Et la mission a commencé le lundi dernier. Nous avons passé donc une semaine entière en République dominicaine. Si nous n'avons pas eu le temps, si on veut, de parler à la presse, c'était volontaire. Ce n'est pas que nous n'avons pas de choses à dire, nous avons beaucoup de choses à dire. Nous avons choisi de redonner à la diplomatie ses lettres de noblesse, à savoir à ne pas la faire par Twitter, à ne pas la faire dans les médias sociaux. La diplomatie, c'est quelque chose de confidentiel. Et il fallait que d'abord je fasse mon rapport au Premier ministre et qu'ensuite je rencontre la presse. C'est pourquoi vous verrez que les journaux dominicains ont mentionné seulement ma visite après mon départ et j'ai refusé de répondre aux questions à tous les journalistes. Aucun journaliste ne peut dire que j'ai de l'information. C'est pour la première fois de mon retour que je vous parle. J'ai opté pour rencontrer trois niveaux d'individus. D'abord les Haïtiens. À Santo Domingo, à mon arrivée, nous avons reçu un briefing de la situation par l'ambassadeur Smith Augustin, qui est notre ambassadeur en République dominicaine, chef de mission. Ensuite, nous avons rencontré la Fédération des étudiants haïtiens, suivie d'une réunion avec les leaders communaux et les leaders de l'Église catholique, les leaders protestants et tous ceux qui représentent la communauté civile haïtienne là-bas. Nous avons aussi rencontré, puisque nous nous sommes rendus à Santiago, nous avons fait la même chose à Santiago, où nous avons rencontré la Fédération des étudiants haïtiens à Santiago, de même que la société civile et les leaders communautaires. Donc, en gros, si on veut, du côté haïtien, c'est ce que nous avons rencontré comme structure. Nous avons aussi parlé, évidemment, à l'ancien ministre Edwin Parizon, qui est le président de la Fondation Zilli, qui a une longue expérience de la Dominicaine, et aussi nous avons bénéficié des informations de l'ambassadeur Guy Lamotte, qui lui aussi a été un ancien ambassadeur dominicain. Donc, le premier groupe d'individus que nous avons rencontré, c'est ça. C'est les Haïtiens, qui nous ont donné une idée de quelle est la situation, comment que ça se présente, quels sont les problèmes, qu'est-ce qu'ils pensent, comment qu'ils voient, ça gagne, pour qui ça gagne toujours, et ça, est-ce que le bon pour nous, est-ce que le pas bon pour nous, qui est-ce qui a parlé, qui est-ce qui n'a pas parlé. Donc, on a d'abord eu, un relevé de cette situation à partir de la perspective des Haïtiens. Nous avons ensuite rencontré, si on veut, le secteur que j'appellerais le secteur international. Nous avons rencontré le nonce apostolique. Le nonce apostolique est en République dominicaine le doyen du corps diplomatique. Ce qui veut dire que c'est lui qui est, si on veut, le trait d'union entre les différents diplomates en poste en République dominicaine. Nous avons aussi rencontré le représentant des Nations Unies en République dominicaine, et aussi le directeur de l'OIM, qui est l'Organisation internationale de la migration. Ces trois entités sont très importantes dans la mesure où non seulement ils suivent le dossier haïtien de près, mais ils ont aussi leur mot à dire sur la question de la migration en particulier.
Et finalement, c'est le plus important, nous avons rencontré les plus hautes autorités dominicaines. D'abord, au niveau du législatif, le président du Sénat dominicain, et au niveau de l'exécutif, nous avons rencontré le ministre des Affaires étrangères, qui nous a reçus en compagnie du vice-ministre des Relations bilatérales, du vice-ministre des Relations multilatérales. Nous avons ensuite rencontré le ministre de la Police et le ministre de l'Intérieur et de la Police générale, qui était accompagné du vice-ministre de l'Intérieur et de la Police générale, responsable de l'immigration et de la naturalisation. Et évidemment, nous avons rencontré le président de la République, M. Luis Abinader, qui nous a reçus en compagnie du vice-ministre des Relations multilatérales en l'absence du ministre des Affaires étrangères absent à la réunion de l'OEA. Donc c'est pour vous dire que pendant cette semaine, on a eu vraiment beaucoup de visites chaque jour et on a mis le paquet pour rencontrer tout ce monde. Maintenant, toutes ces réunions nous ont permis d'avoir une idée de la situation, une idée de la position du gouvernement dominicain, une idée de la position des acteurs diplomatiques qui sont en République dominicaine et une idée de comment que la population haïtienne vivant en République dominicaine voit la situation. Quatre points irritants ont été l'objet de toutes les discussions. Le premier point, c'est la question de la frontière. Le deuxième point, la question des étudiants haïtiens. Le troisième point, la question des Haïtiens et des Haïtiennes qui utilisent des services de santé dominicains, que récemment on parlait des femmes enceintes, il n'y a pas seulement que les femmes enceintes, il y a eu un incident malheureux qui a été dénoncé par moi et par l'ambassadeur Augustin sur cette question, mais il ne s'agit pas seulement des femmes enceintes, il s'agit des Haïtiens et Haïtiennes qui utilisent des services des centres de santé dominicains, et le quatrième point a été le point de l'identification des Haïtiens. Ces quatre points sont des irritants, et on fait l'objet de toutes ces réunions, que ce soit avec les Haïtiens, que ce soit avec les Dominicains, que ce soit avec les autorités dominicaines, que ce soit avec le président du Sénat, que ce soit avec le président de la République, ce sont ces points-là qui ont fait l'objet de discussions. Maintenant, de quoi il s'agit? Alors, il y a quelqu'un, ça me fait rire, alors que je n'ai fait absolument aucune déclaration à la presse, quelqu'un a eu à dire, supplice tout le monde, amen, et que ici et que l'autre bord, et que nous ne pas recevoir non, et que nous ne pas rencontrer l'ambassade, nous ne pas rencontrer ici. Non, nous avons eu le support pour pouvoir réaliser ce rendez-vous. D'ailleurs, il n'y a que l'ambassadeur en poste à pouvoir prendre ce rendez-vous. Donc nous avons eu, en plus de la collaboration de son Excellence Smith Augustin, ambassadeur d'Haïti et Dominicaine, nous avons eu aussi le support logistique et autres des membres de l'ambassade, et évidemment l'apport combien fructueux de la représentante de la primature. Qu'est-ce qu'il y a? La question de la frontière. Avec les Dominicains, plus ou moins habitué avec eux, moi-même, je toujours parlé carré avec eux, carrément. Je ne parle pas de morceaux, ni ménager, je demande carrément qu'est-ce qu'il y a. Et qu'est-ce qu'il y a? Toutes les autorités dominicaines ont répondu la même chose. Bon, il y a un problème, on est très préoccupé. Bon, on est préoccupé par quoi? Qu'est-ce qui vous préoccupe? On est préoccupé parce qu'on a réalisé que, et on voit que, Entre autres, je profite de dire ça là, tout. En pile dans photo que Dominique a montré sur les réseaux sociaux, c'est nous qui prenons photo. Et c'est nous qui voyons photo. Okay? Donc très souvent, quand l'extrême droite dominicaine publie des choses négatives sur nous, c'est des photos qu'ils prennent sur nos réseaux sociaux à nous, qu'ils mettent sur les réseaux sociaux. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Ça gagne. Bon, on est très préoccupé. On voit que le gouvernement haïtien, l'État haïtien, a perdu le contrôle d'une partie de son territoire. Et sont faites. Je dis à là, on est avec M. Jacmel, ou qu'il y a des difficultés par ces matisse. Bon, et de l'autre côté dans le pays, il y a tout peut-être des côtés que on ne peut pas aller. Quand nous venons en Haïti, qu'on y a une zone de non-droit. Donc, je dis qu'en Haïti, il y a des zones de non-droit. Et que zone de non-droit, ça, crainte que vous gagnez, c'est que vous n'avez pas de main, que vous n'avez pas fait notre situation non-droit, ça, jambé en République dominicaine, parce que la République dominicaine a une économie basée sur le tourisme, et que si les touristes tendent que gang en Haïti a bien l'autre bois, mettez sous gang payo, bah ça prend le bail problème. Bon, écoutez, on est capable ni nier que c'est pas vrai, ni en même temps dire que y a pas gain raison penser comme ça. Bon, moi-même, j'avais été en Dominicaine, non pas pour écouter les problèmes, mais pour proposer des solutions. Ma feuille de route dressée par le Premier ministre était il faut calmer le jeu,
Or, il faut admettre, messieurs, que depuis que délégation a parti, on baisse dans le taux d'agressivité qui a gagné entre deux pays. On baisse. Donc, premier bas, ça a réalisé, on baisse dans le taux. Deuxièmement, on était là tout, c'est l'autre ça que je me le premier ministre là, pour voir qui mesure qu'à arranger les choses, arranger les choses. Donc, sous point de vue ça, d'abord la question de la frontière. On dit, bon, d'accord, c'est vrai. On n'est pas capable de dire, à moins que je me dame, et c'est un bail qui est très négatif, là, bah, il menti, parce que tout menti pas à fond. OK? On n'est pas capable de dire, c'est pas vrai, on contrôle le pays, c'est pas vrai. Et on connaît, c'est pas vrai, et tout le monde connaît, c'est pas vrai. Y compris, comment c'est pas nous-mêmes. On dit, bon, c'est vrai qu'on préoccupation. Maintenant, mais ça m'a suggéré, parce que moi-même, je ne vais pas aller seulement pour me dire, pour me proposer des solutions. Parce que quand on me dit, moi-même, wall pam, c'est ouais dans qui mesure nous avons retourné dans une relation plus ou moins normale, malgré que il y a des grands décalages à plusieurs points de vue. Mais c'est job, c'est essayer de faire ça. Je me dis, attendez, mais ça n'a pas fait. C'est vrai. Et je comprends une préoccupation sous frontière. Mais ça n'a pas fait. Un, grand instrument que relie la commission mixte. Okay. Commission mixte, c'est une bande de techniciens qui ont une commission permanente qui là pour régler les problèmes qui gagnent en deux pays au niveau technique. Par exemple, problème canal qui était en haut là, la commission mixte qui a résolu ça. En 1978, il y a un canal, un barrage binational qui a été créé dans une zone pédénale. C'est la commission mixte qui est à la base du bas. Donc, la commission mixte peut être un instrument d'entente qui allait au-delà de rapports diplomatiques. Je me dis, bon, on fait un bagage. Est-ce que nous sommes d'accord si au sein de la commission mixte, nous créons une sous-commission qui est responsable uniquement et seulement de questions frontières? On donne à la police nationale d'Haïti, la police nationale dominicaine, l'armée d'Haïti, l'armée dominicaine et éventuellement même peut-être le ministère des Affaires étrangères ou le ministère de l'Intérieur haïtien. Je pense que si nous faisons commission ça, il y a une possibilité pour nous faire des échanges d'informations parce que nous sommes préoccupés. Nous avons dit par exemple que le ministère de l'Intérieur dominicain dit que de temps en temps en Haïti, il y a cassé prison. OK? Il y a un bon prisonnier qui a sauvé. Nous ne connaissons pas qui est monde qui prisonnier ça. Oui. Voilà que nous avons dit que nous avons dit tout doucement, prendre un visa dominicain et puis l'entrer en République dominicaine ou bien tout simplement carrément passer frontière. Parce que frontière, c'est quelques centaines de kilomètres. Il y a 4 ou 5 points de passage officiels. Mais tout le long de la frontière, au monde qui a un business très facile. Donc, nous avons dit que nous avons rien connu. Si bien qui casse prison qui a sauvé, et là, il y a un bande de nègres, c'est des gros criminels. Nous avons même un échange d'informations qui t'a fait sur il là, pour nous connaître qui moun moun sa yoye. Parce que préoccupation, nous avons besoin qu'on ait un. Qui moun que yoye, pour nous connaître si à l'on côté yoye. Bon, moi, je pense que c'est un bail qui est tout à fait normal. Si nous avons une frontière commune et que nous avons préoccupation ça, pourquoi pas? Donc, yo d'accord. Yo dis nous que yo d'accord. Et dans le rapport que me fait le premier ministre là, moi, je dis ça. Donc, qu'on est là, dans sens ça, ballon, c'est dans pied, nous tous les deux liés. Donc, je suppose que bientôt, nous avons une création de commission ça, qui va travailler sur la question frontière ça. Échange d'informations pour dire nous, parce que comme je dis, même je suppose que deux gangs, c'est Dominique, tout deux membres de gangs ici. Donc, dans les deux cas, il faut que nous mettions nous ensemble pour nous protéger les frontières. Donc, par la création d'une sous-commission responsable de la question de la frontière. Bon, nous sommes d'accord sur ça. Deuxième point, c'est, comme je dis, la question des étudiants. Bon, personne ne connaît combien d'étudiants ici sont en République dominicaine. Ce qui veut dire que et le monde d'ambassade là, combien d'étudiants gagnent, tout pour entrer dans une évaluation approximative. Les chiffres varient, 30 000, 40 000, on est qui même jusqu'à 50 000, mais personne ne sait qu'on est pour plusieurs raisons. Première raison, numéro un, étudiants haïtiens dominicains n'ont pas vu inscrit dans l'ambassade ou dans le consulat. Ça veut dire qu'ils prennent à peine seulement près de 4 000 personnes qui inscrits. Ils près de 4 000 étudiants seulement qui inscrits. Donc, nous au courant que le gouvernement dominicain t'es stoppé à faire visa étudiant. Bon, problème ça, nous posons clair avec l'autorité. Et en parlant au président de la République, puisque c'est lui qui a annoncé ça, moi je dis, monsieur, que ce n'est pas normal que des étudiants qui vivent en deuxième, troisième, quatrième année aient subi les impacts ou les packs de diplomatie. Le président dominicain dit, il est d'accord, il est viré, il garde les ministres qui sont à côté là. Il dit, monsieur, nous parlons de former une commission, qu'on est là, il n'a pas retourné sous affaire visa. Ce qui veut dire que l'ambassadeur Augustin pourra participer avec le ministre des Affaires étrangères et des relations multilatérales pour reprendre visa étudiant. Bon. Maintenant, l'autre question, je me demande, mais bon, au-delà de politique, mais qui problème qui gagne dans visa étudiant? Maintenant, la réponse que je vais là, c'est étudiant eux-mêmes qui baillent. Le plus gros problème qui vient dans le visa étudiant, ça, c'est qu'en pile dans le papier
que vous voyez l'autre bois là, vous êtes non conforme aux normes. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que quand pile papier, qui des faux papiers, des faux papiers baccalauréat, des faux relevés de notes, ce qui complique la situation. Et les gens qui sont plein de ça, c'est les étudiants qui sont en règle. Je vous dis, monsieur Supplice, le problème que ça vient de faire là, c'est que très souvent, nous-mêmes qui en règle, nous subissons impact des gens qui pas en règle. Donc, en plus de papier qui non conforme, deuxième problème que vous avez, c'est que il y a un pile descente de lieu qui est faite, côté que il y a des gens qui travaillent dans la construction, il y a des gens qui travaillent comme machin et qui dit que yo en règle parce que sous visa gagne en main yo yo que yo gagne des visas étudiants. Ce qui veut dire que bon ici à tout un gros travail qui pour faire et au niveau de l'instance dominicaine qui en Haïti yo, et au niveau d'instance cap fait faut papier ça ici pour nous régler problème ça à l'interne pour éviter que dominicain pas prétexter non conformité yo pour pas bail visa yo. Donc je reprends la question des visas d'étudiants. Le président de la République, M. Louis Abinader, promet pour créer une commission avec le ministre des Affaires étrangères, responsable du multilatéral, qui prend le travail avec l'ambassadeur Smith-Augustin pour retourner son visa étudiant. Maintenant, troisième point, c'est la question des Haïtiens et des Haïtiennes qui ont utilisé le service de santé dominicain. Moi, protester énergiquement. Et ambassadeur Augustin Télatour lui-même tout, sous façon que, il y a une dizaine de jours, des agents fédéraux dominicains rentraient dans l'hôpital pour prendre une femme enceinte pour déporter. Nous protestons contre bagaille ça. Et dans la réunion que j'ai fait à ministre là, moi, j'ai des ministres là directement, je dis, monsieur, tendez nos mettre là. C'est vous-même qui avez fait l'autre ça. Et monsieur répond, moi, monsieur paniqué, monsieur dit, non, même pas ta capable de bailler l'autre comme ça, me dit, monsieur, pourtant, t'es fait. Donc, qui m'a dit, bailler l'autre ça? Puis, je dis, c'est pas l'autre qui te baille, c'est agent qui agit pour quoi? Dans ce cas, me dit, monsieur, mais agent, il faut refaire agent, parce que c'est pas normal. Nous respectons que les autorités dominicaines ont droit, son droit que vous avez, hein, déporter les gens qui pas en relation normale, correcte sur le territoire. Mais ça peut empêcher de respecter le droit de l'homme, ça peut empêcher de respecter la dignité humaine, ça peut empêcher de respecter les femmes, ça peut empêcher de respecter une série de bagailles. Nous sommes d'accord et nous comprenons qu'on veut protéger le territoire, nous comprenons ça. Mais en même temps, nous ne sommes pas d'accord et nous protestons contre le fait que ça. Là encore, nous avons excusé, nous avons dit bon, nous allons garder, nous allons réformer l'agent de l'autre gens. Et puis, dans le même jour, ça, nous avons un incident qui est arrivé, que nous avons un agent et soldat dominicain qui bousculait. Un vice-consul haïtien, l'ambassadeur Augustin porte plainte immédiatement, cet agent a été arrêté et démis de ses fonctions. Ce qui veut dire que nous exprimer mécontentement, nous exprimer désaccord, nous exprimer regret que moi décidant ça est arrivé, nous exprimer mécontentement nous vis-à-vis de ça, et clairement, et moi-même comme émissaire et ambassadeur Augustin, pour que je note très clair sur ça. La maltraitance des citoyens haïtiens, même si vous pas conforme au règlement de la politique migratoire dominicaine, ça veut dire que même si vous pas en règle, ça pas autorisé à agir contre eux en ne respectant pas leurs droits. Respectant pas leurs droits, vous l'avez dit, il n'est pas normal qu'on arrête ton nec dans la rue ou pas quitter la lacaille, prendre la jeune ou déporter M. Menem sous frontière. Ou pas gagner droit pour une femme enceinte sous prétexte qu'elle coûte trop pour soigner dans l'hôpital dominicain pour prendre, pour séparer la petite pour Menem sous frontière. Entre autres, filles qui ont été petites là, qui ont été séparées, ils ont réuni. Je ne vais pas tellement parler de ça, mais ils ont réuni. Donc, c'est ça. Maintenant, l'autre point, qui quatrième point qui était irritant, c'est la question de l'identification. Maintenant, non, c'est un prétexte, c'est un prétexte. Vous comprenez? Ils ont dit que le plan de régularisation, depuis quelques années, que ils ont dit à faire, pour y arriver à faire, il faut que les Haïtiens lui-même identifient. Or, où qu'on est, l'on est à l'étranger, seul bagage qui identifie, c'est le passeport. Bon, mais il y a un gros problème. Passeport, tout passeport qui est fait en dehors d'Haïti, c'est Washington qui fait passeport ça. Washington a une responsabilité by des dizaines de missions haïtiennes. Même des missions haïtiennes, on a parlé d'ambassade, de consulat, de sous-consulat, de vice-consulat. C'est eux-mêmes seuls qui peuvent bailler passeport l'autre bois là. Or, la République dominicaine, c'est une zone qui a plus de demandes de passeport que gagne. Mais drame qui gagne. Ça veut dire que l'homme fait un passeport, que le pays est très cher. Passeport l'autre bois, entre autres, tu as demandé pour le gouvernement haïtien un effort pour baisser le prix du passeport. L'homme a acheté un passeport dans l'ambassade Santo Domingo,
que vous payez $250 américains pour un passeport en extrême urgence et que 2 mois, 3 mois, 4 mois, vous avez un haïtien qui présente un papier côté 6 mois, il paye $250 pour un passeport en extrême urgence pour parler ici à Lille. Vous avez un problème, ça va, je vais expliquer le problème, ça va. Même Jean-Lendal Santiago, le monde qui est responsable de la section migrant, dit nous que vous avez des demandes de passeport que des étudiants font. Ça prend 2 ans avant qu'on bal passeport. Où est-ce qui passe le ça? Bon, bon, ça qui passe le ça. Là, ça, n'est pas qu'un passeport, non, men. Monsieur, pas qu'un papier, non, men. Donc, évidemment, on a la rue sans absolument aucune pièce d'identité. Ça veut dire que, automatiquement, si vous rencontrez un policier qui ont corrompu, là, il faut payer pour la gueule. Si vous rencontrez un policier qui est même droite, il veut appliquer la loi, là, il déporte. Donc, c'est un effort pour faire pour nous, quand on fait rapport à la Premier ministre, pour nous, si nous ne sommes pas capables de baisser le passeport. Passeport est trop cher. Parce que pas oublier que la grande majorité de Haïtiens qui vivent votre là, c'est dans l'agriculture, c'est dans la banane, c'est dans la tomate, c'est dans le café. Il y a 40% de la construction. Mais il y a 3 Canadiens, c'est des paysans qui travaillent. Quand pour nous prendre $280 pour le payer en extrême urgence, on passe pour 4 6 mois. Pendant 6 mois, ça, M. Bago, qui est papier dans main, ça veut dire que M. est totalement illégal. Donc, passible de n'importe quelle action. Donc, maintenant, je vais aller back sur l'affaire Monde de Santé. Donc, pour Monde de Santé, nous disons ça me propose pour Frontière, commission mixte. Pour étudiants, nous proposons que le gouvernement a retourné sous décision de l'été pour ne pas bailler visa. Il a recommencé à bailler visa aux étudiants. Moyennant que nous venons en règle, papier en règle. Tout étudiant qui actuellement déjà inscrit dans un programme universitaire, il n'y a pas de pour régulariser papier. Nouveaux étudiants qui peuvent rentrer, il y a pas de pour rejoindre visa étudiant depuis un vrai aller pour éviter que la situation ne soit pas renouvelée. Maintenant, ça c'est deux. Au niveau santé, maintenant, pour éviter que yo pa, si y a plein en pile yo dit que oui yo pa ket haïtien k ap utilise service santé, OK, moi dit OK, on fait bagay. Et pense que gouvernement haïtien hein, et ministre santé publique a fait confirmer là qu'on y a là des gros projets construction l'hôpital et aménagement l'hôpital existant yo déjà sous frontière sans oublier création des unités mobiles sanitaires. Donc pense que gouvernement haïtien hein, pour aller faire des marches là, rapide, nous faisons une réunion qu'on y a à la santé publique là, côté un débat de questions ça, côté nous dit, il faut que nous reprenons le projet ça, pour que nous créions au niveau des différentes villes frontalières, côté Kankou et Wanamet, côté Kankou, Belader, côté Kankou, Jimani et Malpass, côté Kankou et Ansapitre, remettre en place, si pas gagné, créer, si gagné, remembrer instances sanitaires. Pour éviter justement que nous ne pas obligé aller en République dominicaine pour prendre soin. Parce que encore, c'est la vérité. Et nous avons le débat ça comme blague, mais ce n'est pas ton blague. Il faut que ça me dise directeur immigration, ça fait longtemps. L'on soldat est sous frontière pour le bon de l'eau glacée, c'est dans la ville dominicaine face à l'obligation de glace. Okay? Donc, nous sommes d'accord que les Dominicains sont d'accord. Et nous allons un petit peu plus loin. Je dis que 60% étudiants haïtiens en République dominicaine, c'est dans le secteur santé. Ou bien médecine, ou bien infirmière, ou bien dans thérapie, des bagages comme ça. Nous avons utilisé, haïtiens, ça qui fin gradué l'autre bois là, en médecine, nous avons utilisé dans le centre, ça qui est sous frontière. Donc, pour résumer la situation, hein, un, on a rencontré les instances les plus hautes de l'État dominicain, le président de la République, les ministres importants, le ministre de l'Intérieur, le ministre des Affaires étrangères. On a rencontré les gens du secteur privé haïtien. Nous rencontrons aussi un homme d'affaires dominicain important, M. Capéan, qui gagne un parc industriel important dans la zone Wanamet-là, qui dispose de l'autre parc industriel aussi important du côté de Belader. Nous parlons de ça pour le ministre tout, pour nous faire mise en place, pour nous rester capable de faire ça, ce qui n'a pas léger population dans la zone. Tout. Donc, et nous gagnons un menu. Nous gagnons 2 barrières que nous prenons. Un, on a réussi à calmer le jeu, pas gagner pression d'échange de mots irritants entre nous. Deux, la question des étudiants, nous pensons que le président prend mot, n'a pas nos mots, et nous prenons sous parole, n'a pas tourné sur le dossier ça. Toi, l'autre point que je me déblie, il a accepté de rouvrir le consulat dominicain, qui a ouvert encore, alors qu'il était fermé. Donc, il y a des avancées faites. Maintenant, il s'agit pour nous de continuer à avancer,
de kembe contact avec eux pour que nous créions une situation de calme et éventuellement améliorer les conditions d'existence 500 000 Haïtiens qui vivent en République dominicaine. Je vous remercie en pile que nous prêtions attention à ça. Je vous remercie à ce que je parle en public. Je ne fais aucune déclaration avant. Je ne dis non, pas parce que je suis bagaille, je suis dit non là, qui est intéressant, qui est important. Et je pense que ça vaut la peine que nous allions. Parce que, en plus que l'accueil a été, et c'est normal, très gentil avec nous, mais en pile tout, parce que l'ambassade d'Haïti a besoin par quoi ça support ça. On job ambassadeur d'Haïti, il y a son job qui est très ingrat. Il n'y a toujours pas que les ambassadeurs n'ont pas fait travail, n'ont pas fait rien. C'est très difficile. Okay? Donc, en même temps, tout profiter pour remercier l'ambassadeur de. Alors, ministère des Affaires étrangères, puisque c'est le ministère des Affaires étrangères, ambassadeur pour tout appui que le débat, toute collaboration que le débat, ni lui-même, ni staff ambassade là. Je remercie tout le public, tout Haïtien qui a recevoir dans l'autre bord, très bien, étudiants, groupement communautaire, ambassadeur et la mort, ambassadeur par raison. De mission, ça a une mission qui réussit. La mission a réussi. Maintenant, quant au résultat, je ne vais pas le courir faire quand on est qu'on a fait, à battre l'estomac, dire qu'on a réussi, qu'on a. Non, nous faisons ça, nous avons dit qu'on a fait. Et me fait là tout comme, me fait là en tant que citoyen haïtien, en tant que patriote haïtien, qui croit que, avec la République dominicaine, nous devons aménager un espace de convivialité qui n'a pas besoin obligatoirement tout le temps non yin-yang. Il ne faut pas que la relation entre les deux pays soit une relation de crise permanente. Mais ils sont en relation pour nous parler. Donc, il y a des points importants. Je pense qu'il passe. On a réouvert le consulat. On va redonner les visas d'étudiants. Nous entendons sous problème frontière. Comment on pense qu'on va résoudre. Nous entendons tout sous problème santé. Comment on va résoudre. Le seul problème qui est un peu plus difficile, c'est convaincre l'État haïtien. Parce que je ne suis pas l'État. Comme on me dit, moi, je suis un citoyen qui a accepté une mission. Ce n'est pas moi le gouvernement. Je fais un rapport par gouvernement, mais expliquer que le gouvernement prend ça au sérieux, baisser le prix passeport et font gens pour que les Haïtiens qui habitent Saint-Domingue qui jouent un passeport. Parce que si ce n'est pas ça, il y a toujours un problème pour identifier nous. Je remercie nous pile pour l'attention que nous avons et ma disposition pour prendre quelques questions. Merci ambassade, merci pour écoute nous, pour attention nous. Et merci ambassadeur Supplice. Donc, il prêt pour prendre quelques questions. Avant, le nouveliste qui a enregistré, qui journaliste encore, qui a posé question, c'est Juno 7, le nouveliste Juno 7. Ok, voilà, c'est bon, merci. Bonjour, okay. Jean-Daniel Sénat pour le journal Le Nouveliste Magique 9. Monsieur Supplice, à plus de reprises, vous parlez de réouverture au consulat dominicain dans Port-au-Prince. Est-ce que vous avez un rapport avec la tension diplomatique là, puisque sur l'administration, son problème de carburant qui était à la base de fermeture et consulat. Deuxième question, et dans le commencement de l'intervention, vous dites que vous voulez rebâiller avec la diplomatie à celle de noblesse, vous voulez retirer la diplomatie à sous Twitter. Est-ce que et ça veut dire une sorte de désaveu que vous faites avec la façon que le ministre des Affaires étrangères là, et Claude Joseph ont commencé à gérer les problèmes qui ont été gagnés avec la République dominicaine. Merci. OK. D'abord, question et fermeture du consulat. La fermeture du consulat a l'impression que c'était une espèce de. Parce que, pas oublier, en même temps, il y a des secteurs dominicains qui pensaient que si nous empêchions machin, parce que toi, quand mon cap visa, c'est machin. Il y a deux, trois visiteurs, mais le plus souvent, c'est les gens qui ont fait commerce. Ils ont pensé qu'ils étaient qu'à sanctionner nous en fermant le consulat. Ils ont créé une pression pour qu'à l'interne, ils créent un problème. Que mon a fait des marches, fait manifestation, qu'il faut ouvrir le consulat, des bails comme ça. Donc, ça fait partie un peu du plan, ça. Maintenant, deuxième question. Et pour que ça me dise, après tout, la chose là, chaque bagage a des périodes, il y a des temps. Okay? Et c'est vrai que les réseaux sociaux, c'est très important, mais c'est très dangereux. Puisque, en pile fois, il y a des mésinterprétations, ça dit, et ça arrive, et ça arrive. Et d'ailleurs, le président de la République dominicaine lui-même admet, et le ministre de l'Intérieur admet que dans tous les camps, il y a capable de parole qui dit qu'il est interprété mal par une ou l'autre secteur. Donc, pour éviter qu'il n'y ait aucune mésinterprétation de parole, c'est préféré à couper qu'on l'autre tourner pour avoir opinion, j'en appelle aujourd'hui là. C'est bon, des aveux? Non, c'est pas du tout pas. Du tout pas. Le ministère des Affaires étrangères est responsable de la démarche de la politique étrangère de ce pays. Maintenant, Samdou, capable de gagner une opinion qui est mal interprétée par une ou l'autre secteur et qui entraîne en foi. Donc, à ce titre-là, je dis ça du tout, parce que moi-même, comme dit, le ministère des Affaires étrangères est représenté par l'ambassadeur d'Haïti en République dominicaine. Donc, c'est le prolongement du ministère des Affaires étrangères local. Donc,
le désaveu serait que, par exemple, que je ne pas accepter d'aller et que je ne pas prendre contact avec l'ambassade là. Et ça n'a pas été le cas. OK. Moi, c'est. Autre question. Moi, c'est Hervé Noël. Je travaille pour Radio Télé Kiskeya. Vous parlez de tensions qui diminuent entre deux pays, mais ce n'est pas vrai. Et monsieur le ministre, pas plus tard que jeudi, nous avons plusieurs et haïtiens qui apprennent. Et surtout dans la santé hospitalière, il y a retiré et il y a pimpé en Haïti de manière régulière. Donc, par rapport avec l'ensemble de protocoles qui sont entre deux pays, est-ce que l'État ici a prêté camp et gardé et situation ça, pas d'action que n'a pas envisagé. Information que nous avons avec l'ambassadeur, là, ça, c'est pas exact. On l'autre encore qui vient très souvent ici. Donc, on a montré des images qui datent de l'autre période. Il n'y a pas eu, sans dire là, il n'y a pas gagné un jour. OK? Tu as gagné 8 jours, 10 jours, effectivement. T'es gagné des agents qui t'es rentré dans des centres qui t'es dévatré dans le monde. Depuis une semaine, pas gagné ça. Balak ambassadeur en Vambin là. Et l'ambassadeur a confirmé qu'il n'y a pas eu ni de rapatriement massif, ni d'arrestation illégale dans la rue d'aucun haïtien. Cette information n'est pas confirmée et elle peut-être pas réelle jeudi à là. M'a dit pas de gagné ça, non. T'es gagné ça. Mais jeudi à pas gagné ça. Monsieur Balak ambassadeur en Vambin là pour me gagner les dernières informations, pour me dire bagay qui pas exact, pour ne pas prendre bon menteur. Ni pour ne pas faire propagande. Je ne suis pas un propagandiste. Nous sommes écrits pour la vérité. Je dis que les gens liés, sans me mettre aucun barrage donné. C'est vrai, tu as gagné ça. On a protesté contre ça. Je suis au courant. Dans la réunion que je me fait avec le président des Nations Unies en République Dominicaine, je demande à monsieur pour avoir une opinion sur ça. Il a dit qu'il a fait note là. Aujourd'hui, effectivement, je vous ai la presse au courant, le bureau des Nations Unies à Santo Domingo a sorti une note dénonçant et demandant l'arrêt de toute déportation haïtienne. Et en particulier les femmes enceintes. Bonsoir, ambassadeur. Bonsoir. Je suis passé Noxon Melias pour Radio Télé-Guinée. La solution d'où je viens sur la question reprise visa étudiant. Est-ce que dans tête à tête, vous avez gagné avec l'autorité dominicaine, nous avons un délai qui prévoit pour justement visa étudiant normalement? Non. Ce n'est pas avec les autorités dominicaines, c'est avec le président de la République dominicaine. Ça veut dire que ce n'est pas les autorités dominicaines, non. Non, c'est une réunion que nous avons gagnée avec le président de la République dominicaine. Côté que, moi, soulever le problème, même je me dis, il y a 4 points. C'est même 4 points que je soulever avec tout le monde. Problème frontière, problème étudiant, problème femme enceinte, problème baïsaola. Et ce problème, ça a soulevé avec lui. Il n'a pas donné de délai. Il a simplement dit, monsieur le ministre, en parlant du ministre qui t'accompagne, non. Ou même une commission qui prend le travail avec l'ambassade là pour nous commencer à régulariser visa étudiant. Mais il n'a pas donné de date. Donc, je suppose que son bail a fait éventuellement n'importe qui de là. Autre question? Non, okay, excusez-moi. Le deuxième point, c'est qui ça l'est? Non, attendez. C'est pas aujourd'hui. Non. Depuis longtemps, Haïti toujours est pour Baïsala. Nous signons un paquet d'accords, nous signons un paquet de conventions, nous signons un paquet de bagages. Et très souvent, c'est nous-mêmes encore pas fait suivi. Yo. On doit faire ces suivis. Et puis, on a l'autre qui un proverbe créole qui dit si monde qui pas créé, pas besoin de traiter. Sous besoin de traiter, il faut crier. Si on fait un bagage qui fait mal, il faut deal. Sous un bagage qui fait mal, il faut deal. Si on a un accord qu'on signe avec l'autre qui ne le pas respecter, il faut deal ça. Et en pile fois, nous avons pensé que le monde n'a pas dit ça. Moi-même, je dis ça carrément. Que comme nous, ils ont arrêté illégalement des mon enceintes maintenant de nos côtés. Moi, des ministres, si c'est lui qui fait ça. Maintenant, ça, dans quelle situation met-il? C'est répondre pour lui, répondre non. Oui, c'est lui. Non, c'est pas lui. Si c'est pas lui, ça cherche un prétexte, une excuse. S'il y a des accords entre pays au niveau bilatéral, et même des accords qu'on signe au niveau multilatéral, si ils n'ont pas respecté, c'est nous-mêmes qui pouvons dénoncer. Il faut les dénoncer. Ma bon exemple très simple qui arrive. Et dans tout nos courants récemment, il y a eu un incident sur un affaire de canal qui a bâti sous rivière massacre des bagages comme ça. Bon, maintenant, nous avons deux rivières qui sont binationales. Et la rivière du massacre et la rivière des Pédernales. Moi-même, ça me dédie au monde. En 1978, c'était sous le gouvernement Jean-Claude Duvalier, tu as eu un barrage répartiteur qui a fait sous Pédernales là. Dominicain et Haïtien ont formé en commission et la commission a travaillé sous projet ça. Qui ça qui vient de arriver? Ils ont fait barrage là, ils ont pris sur berge. À gauche, Haïti pour Haïti, compris sur berge à droite. Donc, je pense que c'est pour ne pas suspendre parler, c'est pour ne continuer parler. Si il y a qui fait, qui pas fait une plaisir, c'est pour nous dire ça. C'est pour nous dire ça, c'est pour nous apprendre ça. Peut-être qu'il n'y a pas dans la culture, nous avons une culture de résilience, nous avons des jolies dans la station radio,
des bons experts haïtiens qui ont expert en résilience, qui a expliqué que comment nous vivons un peuple de résilients, non pas répondre prendre toute bagaille quand coup n'a pas qu'un bien, non. Si qu'on bagaille qui fait nous mal, c'est pour nous dire ça. Parce que moi-même, moi, Madame Joseph, tendez me répéter ça 45 fois pendant visite là. S'il y a un problème, si on ne parle pas du problème, on ne va pas le résoudre. C'est pour ne pas les problèmes, non. Qui ont problème passeport. Si on ne parle pas problème passeport, si on problème visa. On ne parle pas problème visa, si on problème femme enceinte. On ne parle pas problème femme enceinte là. Et m'a parlé le clair. Maintenant, les réponses, comme on me dit, je suis un envoyé, je suis un citoyen, je ne suis pas membre du gouvernement, mais j'ai un rapport que je fais à gouvernement et que le rapport, tout point que je souhaite dire là-haut, dans le rapport. Maintenant, il s'agit au gouvernement de se réunir et de voir dans quelle mesure il y a baïkor à recommandation que je fais. C'est, mais ce n'est pas moi, pas exécutif, pas législatif non plus. C'est simplement on est qui prêté expérience que je gagne avec le rapport que je gagne pour me penser rendre pays en service que je pense que je gagne. Si nous avons l'autre question, monsieur, merci en pile. Et pour attention que nous prêtons à ça, m'a dit, moi, de tout cœur, je pense que Haïti méritait pour que les citoyens engagés dans le dialogue, d'abord entre nous et en même temps avec l'autre monde qui fait partie de l'entourage immédiat. Non. La République dominicaine, c'est voisin, non? Nous sommes même îles avec eux, nous partageons même terre, nous avons une histoire qui est très différente, mais en même temps, nous ne sommes pas capables de faire que c'est l'histoire à tous les coups qui a géré comment nous avons proposé nos. Merci en pile et bonne nuit tout le monde.